Mais bien aimé, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Oh, gloire au Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera au dernier jour sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Oui, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Ensuite, il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. Thomas lui répond, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, tu crois parce que tu m'as vu. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Quand je le vois, je tombe à terre, à ses pieds, comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et dit, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant, je suis vivant pour toujours et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Il y avait un homme malade qui s'appelait Lazare. Il vivait à Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !»
et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Et je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais donc selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, « Prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Je prophétisais donc selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ensuite il me dit, « Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prends les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Mes bien-aimés, Jésus est vivant. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Il est vivant. Et la parole nous dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour les détruire sur nos vies et nous rendre la vie en abondance. Et à l'image de ces deux passages que nous venons de lire ensemble, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, qu'aussi difficile soit ta situation actuelle, rien n'est fini. Rien n'est fini tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Si Dieu a ainsi envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour prophétiser sur une vallée remplie d'ossements complètement morts et desséchés, si Jésus-Christ lui-même étant sur cette terre a relevé de la mort Lazare,
qui était enfermé depuis 4 jours dans un tombeau fermé pour lui rendre la vie et prouver à tous qu'il désire notre vie et non notre mort, qu'il est lui-même la résurrection et la vie pour toutes celles et ceux qui placent sa confiance en lui. Comment pourrait-il nous arriver quelque chose qui ne puisse pas être insurmontable? Comment ne pouvons-nous pas être assurés qu'il interviendra dans tout ce qui est en train de mourir dans notre vie? N'est-il pas écrit « J'ai l'assurance que ni la vie ni la mort ne pourra me séparer de l'amour de Christ ». En effet, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, mes bien-aimés? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? La nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, mes bien-aimés. Oui, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes bien-aimés, rien ne peut nous séparer du grand amour que Dieu éprouve à notre égard. Rien ni personne. Aucune situation n'est trop compliquée pour lui. J'aimerais que tu entendes ceci, mon frère, ma sœur. Aucune situation n'est trop compliquée pour lui. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour que Dieu nous accorde une nouvelle vision de nos circonstances. Qu'il nous ouvre les yeux de notre cœur et qu'il déverse en nous un esprit de révélation selon sa parole. Afin que nous puissions saisir pleinement que Dieu désire ressusciter nos rêves, nos espoirs et nos projets. Afin qu'il trouve en nous la foi qui déplace les montagnes et qu'il fasse un miracle en notre faveur. Il désire souffler en nous des 4 vents pour que nous puissions reprendre vie et accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a créés. Oui, mes bien-aimés, prions ensemble. Seigneur, nous venons devant le trône de ta grâce avec une pleine conscience que nous ne prions pas un Dieu mort, mais bien Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité, et qui maintenant se tient à la droite du Père et qui intercède en notre faveur. C'est pourquoi nous élevons ensemble notre voix vers lui en ce jour, mes bien-aimés, en déclarant que maintenant, c'est la vie qui prend place dans nos foyers. L'amour règne en maître au sein de nos familles. L'obscurité est chassée loin de nos maisons, afin de laisser place à la lumière de la vie. Oui, mes bien-aimés, prions ensemble un instant ce Dieu de l'impossible. Seigneur, je te remets toutes celles et ceux qui sont assemblés avec moi en cet instant et qui s'associent avec moi dans cette prière pour leur propre vie. Je te prie de parler directement au cœur de mes frères et de mes sœurs, à toutes celles et ceux qui passent par des circonstances difficiles en ce moment même, celles et ceux qui sont découragés, abattus,
au bord du désespoir, celles et ceux qui ont l'impression que leur vie ne sert plus à rien, que tout est fini, tout est gâché, brisé, perdu. Je te prie, Seigneur Dieu éternel, en leur faveur, étends ta main puissante et fais un miracle dans leur vie. Toi qui as vaincu la mort dans tous ses aspects, toi qui as été vainqueur sur le pouvoir de la mort et du séjour des morts, toi qui es venu pour détruire toutes les œuvres du diable pour nous accorder une vie en abondance, toi qui détiens l'autorité suprême sur la terre comme au ciel, sur les dominations et les principautés, sur la création tout entière, toi qui détiens tout pouvoir dans le naturel comme dans le surnaturel, toi, Seigneur Dieu, à qui rien n'est impossible, toi qui dis un mot et la chose arrive, qui ordonne et elle existe, toi qui as créé l'incroyable à partir du néant, qui multiplie le peu, qui déverse avec abondance, qui ouvre les cieux pour bénir celles et ceux qui se confient en toi. Oui, Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons et c'est à toi que nous adressons cette prière aujourd'hui. Viens et fais un miracle dans notre vie. Ressuscite tout ce qui est mort en nous pour l'amener à la vie. Mon frère, ma sœur, si toi aussi tu as besoin d'un miracle en cet instant, prie avec moi. Prions ensemble. Prions ce Dieu à qui tout est possible, afin qu'il étende sa main puissante sur nos vies et qu'il agisse en notre faveur avec puissance et autorité. Dis-le avec moi. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle maintenant. Viens transformer toute ma vie. Viens restaurer toute mon âme. Toi qui sais tout de moi. Toi à qui rien n'échappe. Toi qui me sonde, qui me connais dès la fondation du monde. Toi qui m'as créé de tes propres mains alors que je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère. Pose une fois de plus tes mains sur moi, Seigneur, et fais-moi sortir de là. Oui, change ma situation, Seigneur. Toi qui connais même le nombre exact de mes cheveux, toi qui veilles et gardes mon âme jour et nuit afin de la sauver, pose à nouveau ton regard d'amour sur moi et vois ma misère. Vois combien mon âme est abattue au-dedans de moi en ce moment même. Je sais que tu as entendu mes prières. Je sais que tu vois mes pleurs et mes cris de douleur. Tu sais combien de fois j'ai même l'impression que je n'ai plus aucune raison de vivre et que même ma joie s'est totalement envolée. Mes espoirs, mes rêves ont été brisés, et mes yeux ne cessent de pleurer. La tristesse est mon partage jour et nuit. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin que tu interviennes dans ma situation, Seigneur. Je reconnais que tu es le seul qui peut me rendre la joie de vivre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle maintenant. Oui, Seigneur, viens. Viens et change et transforme ma vie maintenant. Ta parole est le soutien de mon âme. C'est pourquoi je me souviens de cette histoire qui nous parle des incroyables miracles que tu as faits pendant ton séjour ici-bas parmi nous. Tu nous rappelles dans ta parole que tout était fini pour ton ami Lazare, que tous pensaient ne plus jamais entendre parler de lui. La mort l'avait frappé et avait stoppé son chemin ici-bas. Mais toi, tu n'en avais pas fini avec lui. Tu as vaincu la mort et tu lui as rendu la vie pour que le Père soit glorifié. Oui, tu as dit que cette maladie n'était point pour la mort, mais afin que le Père soit glorifié. Oui, Lazare a entendu ta voix au fin fond de son tombeau. Il a entendu ta voix qui l'appelait à revenir à la vie. Son âme s'est alors relevée et il s'est à nouveau tenu debout au fond de cette tombe. La mort avait tenté de le retenir prisonnier, mais lorsque ta voix fut entendue au fond de son tombeau, la vie a repris sa place, chassant la mort. Par une seule parole de ta part, tout a repris vie. La création tout entière entendit cet appel divin que tu lui adressas et rien ne put empêcher le rétablissement de la vie de Lazare. Oui, cette épreuve était pour la gloire de Dieu.
afin qu'il soit glorifié. Tu avais un plan bien précis et tu l'as mis en exécution afin de faire éclater ta puissance sur la terre des vivants. Quand la pierre fut enlevée, au bout de 4 jours, il s'est relevé, se tenant là, debout, sur ses pieds, rempli de force et respirant à nouveau la vie. Tu l'as délivré de la mort, tu l'as délié des liens qui le retenaient prisonnier, tu l'as relevé devant les yeux de tous, et ils furent tous éblouis et stupéfaits de ce que tu avais accompli. C'est pourquoi, à partir de ce jour, il fut considéré et respecté pour avoir été miraculeusement sauvé et ramené à la vie par la main puissante de Dieu. Et ce fut un grand témoin pour une multitude. Mon frère, ma sœur, prie avec moi. Déclarons-le ensemble. Faisons appel à ce Dieu de l'impossible, ce Dieu qui donne la vie, afin que sa gloire éclate aussi au milieu de nos circonstances. Seigneur, nous aussi, nous avons besoin de toi en cet instant. Nous avons besoin que tu fasses un miracle dans nos vies. Seigneur, je désire plus que tout faire partie de tes témoins. Tu vois ma situation. Tout est entre tes mains. Il n'y a rien que je puisse faire. Il n'y a rien que je puisse changer de moi-même. Toi seul a toute autorité sur ma vie. Je veux juste avoir confiance en toi, sachant que rien ne t'est impossible. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin d'un miracle dans ma vie. Viens, viens changer et transformer ma vie, afin que le Père soit glorifié. Seigneur, j'élève ma voix à toi de tout mon cœur. J'élève ma prière devant le trône de ta grâce en ce moment, en cet instant. Enlève ma pierre, roule-la maintenant, débloque ma situation, détruis tout obstacle dans ma vie, fais tomber les chaînes qui me retiennent loin de ma destinée, balaye le chemin sous mes pieds et mets-moi à l'abri sous tes ailes. Seigneur, appelle-moi par mon nom, fais retentir ta voix au milieu de mes circonstances, transforme mon histoire et ressuscite-moi. Relève-moi de la mort et du séjour des morts qui tentent de m'emprisonner. Ressuscite mes rêves et mes projets. Souffle des 4 vents et prophétise sur ma vie. Appelle mes eaux desséchées à revivre. Restaure-moi comme au jour d'autrefois. Pose ta main sur moi et appelle-moi par mon nom. Rétablis ma santé. Rétablis mes finances. Rétablis mon foyer, rétablis mon couple, rétablis ma famille. Que la vie en abondance soit mon partage, dès aujourd'hui et à jamais. Oui, Seigneur Dieu éternel, transforme toute ma vie et fais un miracle pour la gloire de ton nom. Touche mon âme maintenant et fais-moi sortir de là. Trace un nouveau chemin sous mes pas. Ouvre les portes de ma prison. Dessine un escalier sous mes pieds afin que je puisse remonter à la surface et voir à nouveau le jour se lever sur ma vie, afin que je puisse de nouveau retrouver la joie qui m'a été enlevée, afin que je puisse de nouveau sentir la paix et le bonheur de vivre sur la terre des vivants. Oui, Seigneur, étends ta main et change mon histoire. J'ai tant besoin d'un miracle. J'ai tant besoin de toi maintenant, dans ma situation. Pendant que je te prie, pendant que je te remets ma situation entre tes mains, ressuscite-moi, ressuscite tout en moi. Je reconnais que tu es la vraie vie et qu'il n'y a point d'autre que toi. Tu es la force qui brûle en moi. Tu es Jésus, le Fils de Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier dans ma vie. C'est toi qui as commencé mon histoire. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Et alors que je me perdais dans ce monde, tu m'as aimé et tu m'as appelé par mon nom. Et tout ce que tu as commencé, tu vas le terminer dans ma vie. Tu n'es pas un homme pour abandonner en chemin. Tu ne te lasses pas, Seigneur. Tu ne te repens pas de m'avoir choisi et de m'avoir appelé. Ce que tu as commencé dans ma vie,
tu l'amèneras à son plein accomplissement. Oui, Père éternel, tu iras jusqu'au bout avec moi. Rien ne t'est impossible. Je refuse de croire que tu m'as oublié. Je refuse de croire que tu n'interviendras pas en ma faveur. Je refuse de croire que tu ne vas pas agir et changer mon histoire. Non, 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 c'est impossible. Viens changer et transformer ma vie. Fais un miracle en cet instant. Fais-le maintenant. Ranime tout ce qui est mort en moi et autour de moi. Rends-moi au centuple tout ce que l'ennemi m'a volé. Tu as dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Djelek, le Hazil et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oui, en cet instant même, pendant que je te prie, j'entends déjà ta voix qui s'élève au-dessus de mes circonstances. Tu m'ordonnes de me lever. Tu prends ma main et tu me fortifies par ton esprit. Tu souffles en moi la force de la vie. Tu redonnes à mes os desséchées toute la puissance d'autrefois. Non, rien n'est fini. Je le déclare et je le confesse, rien n'est fini. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot sur ma vie. Tu as encore quelque chose à faire avec moi. Tu reconstruis mon être tout entier. Tu reconstitues ma vie comme un puzzle qui a été jeté à terre et piétiné de toutes parts. Tu es là, juste à mes côtés. Tu m'aimes tellement que tu prends chaque pièce de ce puzzle dans ta main puissante pour en faire une nouvelle œuvre d'art. Tu prends chaque morceau de ma vie brisée et tu la restaures pour en faire une vie qui reflète ta gloire. Oui, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Comme un divin potier, tu prends entre tes mains l'argile que je suis pour en faire un vase d'honneur pour ton service. Tu as dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Vous êtes dans ma main, mes enfants. Seigneur, tu me modèles, tu me transformes, tu me formes entre tes mains. Non, tu n'en as pas fini avec moi. Tu poses ta main puissante sur moi et tu me relèves. Tu me restaures, tu me pardonnes de mes péchés, tu me guéris de toutes mes maladies. Tu panses avec amour chacune de mes blessures afin qu'elles cicatrisent les unes après les autres. Oh Seigneur mon Dieu, tu ne m'as pas abandonné. Non, certainement pas, tu ne m'as pas oublié. Tu m'appelles maintenant par mon nom, tu m'appelles à me relever et à revivre une vie de puissance. Père, tu m'ordonnes d'être puissant. Tu me revêts de ton amour et de ton autorité. Tu m'équipes pour que je te serve avec la puissance de ton esprit. Tu ajoutes ce qu'il me manque. Tu enlèves ce qui ne te plaît pas. Tu prends bien soin de moi. Oui, tu es un bon père. La mort m'avait environné de toutes parts. L'ennemi m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais tu as envoyé ton ange et tu m'as délivré de toutes mes frayeurs. Tu m'as redonné la vie par ton esprit. Seigneur, que ton esprit me saisisse maintenant et ranime mon corps tout entier. Seigneur, tu es tout pour moi. Je n'ai que toi sur la terre des vivants. Personne ne m'aime autant que toi. Parle-moi, restaure-moi, fortifie-moi, console-moi. Et fais un miracle dans ma vie. Fais-le maintenant, ici, en ce moment. Seigneur, viens, je te le demande encore une fois. Ne passe pas à côté de moi sans m'avoir béni. Donne-moi à nouveau une raison de vivre. Donne-moi à nouveau une raison d'espérer. Donne-moi à nouveau la force et la vigueur du jeune guerrier qui se bat pour reconquérir la terre qui lui a été dérobée.
Donne-moi la force et la volonté de reprendre tout le terrain que l'ennemi m'a volé. Donne-moi la force de reprendre tous les trésors qu'il s'est appropriés, toutes les bénédictions qu'il a détournées de ma vie. Père, qu'enfin mes larmes se changent en cris de joie et que tous mes problèmes trouvent une solution en toi. Trace un chemin là où il n'y a rien. Ouvre les portes que personne ne peut refermer, afin que je prenne possession de tes plans parfaits pour ma vie et que j'accomplisse la mission pour laquelle tu m'as créé. Change toi-même ma situation en m'accordant une bénédiction au-delà de toutes mes espérances. Appelle-moi par mon nom, transforme mon histoire et ressuscite mes rêves. Transforme toute ma vie, Seigneur, et fais un miracle. Fais-le maintenant. Touche mon âme maintenant. Fais-moi sortir de là. Fais-moi sortir de ce tombeau où la mort m'avait enfermé. Oui, ressuscite-moi. Ressuscite tout en moi. Seigneur, je te prie de m'exaucer et de m'accorder mon miracle en cet instant même. Qu'aujourd'hui soit mon jour. Je m'attends à toi. Je t'aime de tout mon cœur. Et je m'accorde avec cette prière aujourd'hui, en ce moment, en cet instant même, afin que tu fasses un miracle dans ma vie. Je me tourne à nouveau vers toi et je te donne les commandes de ma vie. Je sais que tu n'as pas dit ton dernier mot sur ma vie. Tu as encore quelque chose à faire avec moi. Tu n'en as pas fini avec moi. Tout ce que tu attendais, c'est que je lâche prise, que je lâche les commandes de ma vie et que je te laisse faire. Père, désormais, j'ai compris quelle est ta volonté à mon égard. Nulle barque ne peut atteindre sa destination sur la mer déchaînée s'il n'a pas placé le capitaine aux commandes de son navire. Tu es ce capitaine. Tu es celui qui détient toute autorité sur ma vie. Celui qui détient toute autorité sur la terre comme dans le ciel. Dans le naturel comme dans le surnaturel. Dans le visible comme dans l'invisible. Oui, Seigneur, prends les commandes de ma vie et dirige-moi vers des eaux paisibles. Fais un miracle maintenant. Fais-le dans ma vie. Ressuscite tout ce qui est mort en moi. Seigneur, je fais appel à toi. Oui, j'implore ta grâce et ta miséricorde sur ma vie. Aie pitié de moi, Seigneur. Tourne ton regard vers moi et fais-moi sortir de là. Fais un miracle maintenant. Je veux déclarer ta parole comme lorsque l'on brandit une torche au milieu d'une caverne qui est plongée en pleine obscurité. Tu as dit que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ et je le serai. Que le malheur atteint souvent le juste, mais que tu l'en délivres toujours. Voilà pourquoi je me confie en toi, en celui qui peut faire bien plus que ce que je pense ou même imagine. Oui, Seigneur Dieu éternel, Dieu de toute grâce, tu m'as appelé en Jésus-Christ à ta gloire éternelle. Et tu as dit que, après que j'ai souffert un peu de temps, tu me perfectionneras toi-même. Tu m'affermiras, tu me fortifieras, tu me rendras inébranlable. Que 1000 tombent à ma droite et 10 000 tombent à mes côtés, je ne serai point atteint. C'est là que je veux me trouver, Seigneur. C'est à l'abri du Très-Haut. Je veux reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu es celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes, et c'est en toi que je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Voilà pourquoi je ne craindrai pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint.
Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, celui en qui je me confie. Tu es l'Éternel, mon Dieu, le Saint d'Israël, mon Sauveur. Tu donnes l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Saba à ma place. Parce que j'ai du prix à tes yeux, parce que je suis honoré et que tu m'aimes, tu donnes des hommes à ma place et des peuples pour ma vie. Voilà pourquoi je ne craindrai rien, parce que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Tu dis que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Seigneur, je ne me laisse plus impressionner par les nuages qui viennent assombrir ma vie. Je sais que tu es avec moi. Tu es la lumière qui illumine mon sentier, qui dirige mes pas par ton Saint-Esprit. Seigneur, réveille-moi du sommeil de la mort. Que mes ennemis soient confondus par l'immensité de ta bonté à mon égard. Parle sur ma vie et fais-moi sortir de mon tombeau. Fais un miracle maintenant. Ressuscite-moi, appelle-moi par mon nom et fais-moi sortir de là. Le moment est arrivé de me libérer, comme tu l'as fait pour ton peuple lorsque tu l'as fait sortir du pays de l'esclavage, de l'Égypte. Fais-moi sortir de ma tombe afin que je brille à nouveau. Ressuscite mes rêves et mes projets. Ressuscite mes dons. Prophétise donc à mon sujet. Prophétise sur mes os et qu'ils revivent. Prophétise sur mes projets et qu'ils revivent. Prophétise sur mes rêves et qu'ils revivent. Prophétise sur ma santé et que je sois guéri. Prophétise sur moi et que tout en moi revive, Seigneur. Réveille-moi, ordonne-moi de me lever et fais-moi sortir de cet état de mort spirituelle. Réveille le géant qui sommeille en moi et que Christ illumine ma destinée. Père, je te prie d'accomplir un miracle dans ma vie, dans ma situation, dans ma santé, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Écrivons ensemble cette nouvelle histoire. Le passé est fini. Maintenant, le temps est venu d'écrire un nouveau chapitre sur ma vie. Seigneur, écrivons le chapitre de la victoire, le chapitre de la vie qui a vaincu la mort, le chapitre de la restauration du temple sur les anciennes ruines que je suis, le chapitre de la force qui vient prendre place au-dessus de toutes mes faiblesses. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Mes bien-aimés, peu importe la vallée des ossements que vous étiez, souvenez-vous que Dieu est avec vous et qu'il s'apprête à faire un grand miracle dans votre vie, dans votre situation. Mon frère, ma sœur, déclare-le avec moi. C'est mon partage. La vie est mon partage. C'est ma destinée. Mon Dieu m'aime et il me donnera toujours la victoire. Mes bien-aimés, soyez puissamment bénis et que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous exauce au plus haut des cieux. J'ai confiance en lui et je sais qu'il agira en votre faveur car il est un Dieu fidèle. Extrêmement fidèle. Que la paix, la grâce et la faveur divine vous soient multipliées. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, fortifiés et consolés infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.